monde entier. Durant tout l'été, les meilleures équipes internationales viennent s'affronter au Brittany Polo Club pour relever le défi proposé par Jean-François Decaux. Le spectacle se déroule à Congor, en plein cœur des Marais Salants, et l'édition 2008 est une vraie réussite. C'est un grand millésime puisque nous avons au mois d'août 12 équipes, dont 4 équipes qui viennent des Pays-Bas et de Suisse. Donc pour la première fois, nous arrivons à attirer des équipes étrangères, ce qui est toujours bien pour la station. Les terrains sont les meilleurs terrains de France au mois d'août, comme vous pouvez le constater. On a 3 très beaux terrains et on a actuellement 250 chevaux. On a été obligé de louer des boxes supplémentaires puisque sur le Brittany Polo Club, il y a à peu près 180 boxes. Donc c'est la meilleure saison depuis que j'ai repris le polo en 2000. Les coupes s'échelonnent sur 2 mois, elles réunissent les plus grandes équipes de polo et les marques les plus prestigieuses. Toutes se sont donné rendez-vous à Congor, dans un club qui porte bien son nom. La raison pour laquelle j'ai rebaptisé le Brittany Polo Club, c'est que je joue en mai-juin en Angleterre. On est arrivé d'ailleurs en demi-finale de la Coupe d'Or. C'est du polo de 22 goals, alors que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est du 6 goals. C'est-à-dire que c'est un polo qui est 3,5 fois plus rapide. Et bien le Brittany Polo Club a défendu les couleurs de la région, donc parmi les 4 meilleures équipes européennes. On a malheureusement perdu en demi-finale, mais d'arriver en demi-finale d'un tournoi où il y avait 20 équipes, les 20 meilleures équipes européennes, d'être dans le dernier carré, c'était bien. Et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé Brittany, parce que ma vision, c'est de faire rayonner la région. Et c'est vrai que Congor, qui est le lieu dit, ça ne disait rien à personne. Alors que Brittany s'est chargé de tradition, et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé Brittany Polo Club. I'm not afraid to die.